espace où pouvait avoir lieu une libre rencontre entre égaux, l'agora, était désertée. La liberté n'avait plus de place, ce qui signifie qu'il n'y avait plus de liberté politique. Nous ne pouvons pas aborder ici ce qui a été perdu, en particulier avec cette privation de politique, ce qui s'est effondré avec la privation de la liberté au sens de l'Antiquité. Il ne s'agit ici, à l'occasion de ce bref rappel, de ce qui était originellement lié au concept de politique, que de nous prémunir contre le préjugé moderne en vertu duquel la politique serait une nécessité irréfutable qu'elle a toujours été partout existée. Le politique n'est précisément nullement nécessaire, ni au sens impérieux d'un besoin de la nature humaine, tel la faim ou l'amour, ni au sens d'une institution indispensable pour la communauté humaine. Au contraire,